Et salut à tous, c'est Je Pacor et on se retrouve pour le huitième épisode déjà, en tout cas pour moi, de The Windwaker. Aujourd'hui, on va pouvoir aller voir Jabu avec nos bombes fraîchement acquises. Donc j'en avais utilisé une pour agrandir notre bourse pour les rubis. Voilà, je suis passé en dessous du. C'est bon? Si tu es prêt, nous pouvons partir à la recherche de la caverne où se cache Jabu derrière l'île. Ouais, je suis prêt. Et donc, dans cet épisode, eh bien, on va gentiment aller voir Jabu et on fera ce qui suit, hein, parce que je pense pas que ça prendra tout un épisode. Cet épisode est également tourné à la suite du précédent. Je précise, même si généralement, bon, ça ne pose pas de problème. Alors, on active le canon et on a cette stèle à relever. Il faut bien que je vise. Oula, je suis un peu loin là. Je vais pas pouvoir viser, je suis trop loin. C'est un peu chaud. Surtout que j'ai un nombre bien évidemment limité de bombes. Hein. Évidemment. Alors. Maintenant qu'on va se rapprocher, là, je pense qu'on va pouvoir voilà, les taper facilement. Allez. Ah, nickel. On a une stèle de cassée. Enfin, une partie de la stèle de cassée. On va essayer de casser la deuxième. Allez, vite. Nickel. Et on n'aura plus qu'une partie. Je pense que ça va se faire assez vite également. Là. Et troisième bombe. Yes! Oh, c'était magnifique! À 3 PGM sur ce coup. Je suis fier de moi. Totalement fier de moi. Et on va pouvoir rentrer dans la caverne. Il parle Ilien, d'accord. Ça fait si longtemps, oui. Je suis heureux de voir que tu es sain et sauf. Oui, je comprends toujours pas Ilien. En effet, il semble que Ganon soit de retour. Ouais, non, désolé, je comprends pas. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai foi en son courage. Je crois possible. On n'est pas le héros. Oui. Plus il nous le confirme hein, qu'on n'est pas le héros. Oh, c'est tout? Bon, bah, on a la perle de Nairo. Hein. Voilà, c'était galère. Vous obtenez la perle de Nairus, un joyau divin vous est remis par Jabu, l'esprit de l'eau. Tout ça pour ça. D'accord. C'est donc bien la malédiction de Ganondorf qui fait tomber ses pluies funestes et empêche ce jour de se lever. Ce sinistre individu a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Je le crois, oui. Je comprends pas. S'il te plaît, tu pourrais parler. Même pas en français, en anglais, ça me va aussi, même en espagnol. Même si je comprends pas trop. Le pouvoir de la perle de Jabu a enrayé la malédiction de Ganondorf. Le jour devrait bientôt se lever, tu as en ta possession toutes ces perles. Et tu prends Link, j'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces trois îles, l'endroit où tu devras montrer tout ton courage te sera révélé. La retraite de Jabu montre à elle seule que Ganon est bien décidé à nous barrer la route. Nos soucis ne font que commencer. De plus grands dangers nous guettent. Fais vite ce que tu as fait à faire ici, sur l'île de Aurore, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Bah, on va voir notre petite mémé. Hein. On va espérer que cette fois, bah, de toute façon, le jour se lève, donc on va espérer qu'elle ait fini sa sieste. Allez. Bon, c'est bon, là, je peux sortir. Hein. Voilà. Allez. Donc. Oula, on n'a plus que 13 bombes déjà. Ok, c'est parti vite. Hein. On va aller voir notre mémé. S'il te plaît, cette fois, est-ce que tu vas pouvoir.
Enfin, est-ce que je vais pouvoir te parler? Toujours la musique funèbre. Oh, Link, Ariane, ne partez plus. Ne laissez plus votre mémé toute seule. Réveille-toi! Donc, on va peut-être attendre que le jour se lève. Je voudrais vraiment avoir notre soupe, c'est franchement dommage, je trouve. On peut pas faire le chant du. Oh, la frustration! La frustration totale! Allez, lève-toi le soleil, lève-toi, please. Please, s'il te plaît. Allez. Je veux parler à mémé. Bon. Je suppose que ça veut dire le contraire. Du coup, on va aller au nord-est, hein. Oups. Allez. Je pensais que le soir était bon, mais en fait, non. Toi, je suis tellement déçu. Pauvre mémé. Et pauvre moi. Je peux pas voir ma mémé en face, si, mais je peux juste la voir en train de dormir. C'est trop injuste. C'est vraiment trop injuste. Je reste seul dans l'espoir que le soleil se lève, on sait jamais, mais. Dirais bien que c'est foutu. Oh, quelle arnaque! Mais quelle arnaque! Bon. Bah, je pense qu'on reviendra après la deuxième forteresse maudite. Et peut-être que là, il voudra bien nous parler. Mais voilà. Si vous savez quand on peut lui parler, je suis volontaire. Please, arrête de faire ça. Si vous savez quand on peut lui parler, je suis volontaire, clairement, pour qu'on puisse avoir sa soupe et plus qu'on puisse lui parler à notre mémé, la pauvre, elle n'a plus d'enfant. Enfin, si c'est notre mémé, c'est notre grand-mère, donc elle avait déjà plus d'enfant, mais. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. C'est dommage. Et le jour se lève maintenant. Bon bah, je peux pas y retourner. J'ai pas le temps d'y retourner en fait. Ah! Salut Cyclos. Donc ça, c'est celui, si vous vous rappelez, je ne sais plus dans quel épisode on nous a dit ça. Mais quand on a appris. Oh, j'ai cru que je pouvais passer. Et évidemment, ça m'a fait. Quand nous a appris. Ah zut, je me suis pris. Est-ce que je peux le faire avec des bombes? Cessez d'importuner Dieu, pitoyable être humain, ou les tornades du furieux Cyclose vous enverront à l'autre bout des mers. Peut-être que je peux avec des bombes en fait. Non, je peux pas. Bon bah voilà. Voilà, voilà. On n'a plus qu'à se faire TP. Espérons que c'est à bon endroit. On retient son souffle. Link, est-ce que ça va? Ce dieu Cyclus semble vraiment très en colère à l'égard des humains. Méfie-toi la prochaine fois que tu verras des tornades sur les flots. Remarque, si nous arrivions à nous servir de ces tornades, nous pourrions sûrement nous déplacer beaucoup plus vite. Tu ne possèdes pas encore d'armes qui te permettent de tirer à distance, mais j'ai passé le texte sans faire exprès. Alors, où on se retrouve? Ah, oh, bah on se retrouve juste à côté d'une île. Bon. Je te pardonne, Cyclus. Je te pardonne, tu m'as été utile. Bon, alors, on avait vu dans un épisode, vous savez, quand on a appris la mélodie du vent, la seule mélodie qu'on a d'ailleurs pour l'instant, que la personne, le dieu du vent là, nous avait dit que son frère était en colère contre les humains parce que sa stèle avait été cassée. Et on devait lui infliger une bonne correction, mais malheureusement, les bombes n'ont pas suffi, il faudra une autre arme.
Donc pour l'instant, j'essaye gentiment. Oh, encore une tornade. Punaise. Va y en avoir partout maintenant ou bien. Bon, j'espère pas, hein. En tout cas, on va placer une perle à cet endroit. Allez. Oui, tu m'envoies des bombes si tu veux, alors. D'accord. C'est. Ça me fait de belles jambes. Alors, si on s'arrête, on va descendre. Et on va poser la première perle. Donc vous aurez compris, c'est la séquence en mer. Hein. Et c'est quelle perle? Je dirais que c'est la perle de Faror. Non, c'est la perle de Dean. Oh, toi qui as parcouru les mers à la recherche des dieux, dépose ici ta perle. Vous avez posé la perle de Dean sur la statue d'argile, plus que de perles. Du coup, où est notre ami en rouge? Et va pouvoir mettre le vent au sud. Pour continuer gentiment, on a joué la mélodie du vent, c'est cool. Voilà, plein sud, comme je le disais. D'accord, fais ton bruit. D'accord. Et on va gentiment repartir. Alors, non merci, la tornade, s'il te plaît. Bon, apparemment, non, c'est bon. Enfin, je pense. Elle se rapproche quand même, mais nous, on s'éloigne. Non. Ouf. Donc, on va pouvoir se diriger vers le deuxième endroit. Ah, bon. Maintenant, il fait plein jour. Je suis déçu de pas pouvoir. De ne pas avoir pu rencontrer Mémé. Enfin, rencontrer, de ne pas avoir pu reparler à Mémé. Je suis très, très déçu. C'est dommage. Et encore une fois, c'est. Oui, on fonce dedans. Ah non, d'accord, ça marche pas. Okay. Je pensais, désolé. Et encore une fois, si quelqu'un sait à partir de quel moment du jeu on peut aller la voir, je suis preneur. Parce que là, je pensais qu'on pouvait aller la voir dès maintenant, mais en fait, non. Ce qui est dommage, très dommage. Du coup, bah tant pis, hein. Voilà. Elle est bizarre cette île. Bon, je sais pas, c'est pour les pirates apparemment. Ouais, c'est des pirates. Bon. Donc, on va continuer jusqu'à la prochaine île. Donc cet épisode, vous aurez compris, c'est encore de la navigation. Moi, j'y peux rien, c'est le jeu qui nous impose ça. Je veux bien couper certaines parties de navigation, mais pas toutes non plus, hein. Ça fait partie du jeu. Vous comprendrez, j'espère. C'est pas vers là qu'on doit aller, parce que c'est légèrement envahi. Bon, soit. Donc, on va poser la perle. Plus vite que ça. Mais. Oui, mais je m'en fiche de votre garde, là. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais. Oups. Et on va s'arrêter et on va descendre. Et. Non, je voulais pas te parler. Tu dois déposer une perle dans chacun des trois endroits marqués sur la carte. Ainsi, nous saurons où tu devras te rendre pour montrer en fait tout ton courage. Pression, ne laissons pas Ganon réaliser ses plans. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, la carte des Tétras du dernier épisode, et bah, c'est ces endroits-là. Qui faisait le plus petit triangle. Donc oui, il faut la même prière à chaque fois, vous l'aurez compris, je pense. Écoutez, je pense que j'ai une idée. Parce que. Ah, j'ai cru que j'allais plus avoir de son. Parce que là, on est d'accord que c'est pas très passionnant. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer à l'émulateur. Donc, on va faire la mélodie du vent. Parce que, honnêtement. J'ai juste pas le temps, moi. J'ai pas le temps, moi non plus, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger par là. Ah! Laissez-moi sortir, merci. Non! Mais tant que j'émerge, j'y revienne. C'est très pas juste. Non, on n'essaye plus. Alors, voilà, on est dans la bonne direction, là. Du coup, image max, arrêt. Voilà, on va accélérer un peu.
C'est pas bon pour mon PC, mais c'est pas grave. La musique est magnifique. Allez, tu peux le faire. Donc on voit déjà que ça a ralenti un peu par rapport à tout à l'heure. Je pense que c'est mon PC qui a eu du mal. Là, ok. Donc on va plutôt se diriger. Non, c'était bon. Je pense on voit un peu l'île là. Si je range ma voile, vous pouvez la voir. Je me demande à combien de FPS je suis en fait. On est à 75 FPS alors que normalement c'est 30 FPS. Donc on a le jeu quand même deux fois plus vite. Donc j'ai quand même de la marge avant que je ralentisse, hein, vous vous doutez bien. Et on va pouvoir, après ce petit stress test pour mon ordinateur, voilà, on va pouvoir remettre les 30 FPS. J'ai l'impression que ça lag un peu maintenant, je dois avouer. Maintenant, j'ai l'impression que ça lag à la vitesse normale. Bon, voilà, c'est moi qui l'ai souhaité. Mais ouais, du coup, je manque vraiment de temps aujourd'hui, donc je ne peux pas me permettre de naviguer à la vitesse normale. Hein. Oh, toi qui as parcouru les mers à recherche des lieux, dépose ici ta perle. Voilà, donc on a les trois perles. C'est quand même pratique hein, d'avoir un bon PC. Vous avez posé la perle de Faror sur la statue d'argile. J'aime bien faire la même animation qu'en jeu pour remonter avec l'ombre et tout. Ça doit pas faire du bien. Le pauvre Link. Ah, oh, le pauvre Link. Méga laser! Ouais! Ouais! Méga laser! Et ça va faire un Free Force. Et bien évidemment, Link va être projeté au bon endroit. Sinon, c'est pas drôle. Triforce, c'est bien. Et ça nous fait. Ah, la tour des dieux. Voici la tour des dieux. Et comme par hasard, c'est là que Link arrive! Bon, au moins, on n'aura pas à faire le trajet. Remarquez, s'écraser contre les murs, c'est sa passion, hein, quand même. Et Lion Rouge arrive tranquillement. Avec la musique bien épique. Voici la tour des dieux. Donc, le troisième donjon de ce jeu. La tour qui vient d'apparaître grâce aux trois perles est l'endroit que les dieux antiques ont choisi pour mettre le courage des hommes à l'épreuve. Seuls ceux qui parviennent à surmonter ces épreuves sont reconnus par les dieux comme des héros et autorisés à détenir la force nécessaire pour anéantir le mal. Link, la force qu'il te faut est à portée de main. Que les souffrances que tu as endurées jusqu'à présent te donnent foi et courage. Triomphe des épreuves des dieux. Oula. Oula, j'ai un effet un peu bizarre, vous avez vu, je pense. Quand j'ai sorti ma voile par deux fois, bon, ça ne fait plus. Et voici la tour des dieux. Avec la musique d'ambiance qui fait vraiment très épique. Donc. Pour la tour des dieux. On va déjà descendre tant que c'est au bon niveau. Voilà, on va ensuite monter là. Et je vais vous montrer. Donc, vous voyez, on a des statues à prendre. Ça nous ouvre la porte. Et dans le même temps, il. Oh non, ça fait toujours animation. Bon, c'est énervant. Et dans le même temps, il va nous falloir. Est-ce que je peux faire ça ici? Logiquement, oui. Bon. De toute façon, on va essayer.
Donc, la tour des dieux. Donc, déjà, je vais me remplir ma magie avec cette potion. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est ça. Bon, j'ai mal fait. J'ai mal fait comme un boulet. Alors, attendez, on va le refaire. Excusez-moi. Voilà, et on va mettre sa flingue au jeu, par exemple. Et on va boire. Et là, normalement, voilà, on a toujours notre potion bleue. C'était ça que je voulais faire. Du coup. Ouais. Ok. Je suis coincé dans cette statue bizarre. Je sais tellement pas comment on fait. Bon, ellipse, je vais regarder sur internet, sinon ça va pas le faire. Ellipse. Ok, ben on va réessayer. Donc en fait, j'avais raison là sur la méthode au début. Peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus aligné, voilà. On va essayer comme ça. Ok, c'était nul. Je crois qu'on va faire des ellipses, hein. GG. Maintenant, une fois qu'on est là-dessus, on fait... Ah, ok, j'ai compris. Mais maintenant, comment monter? What? Oh! Est-ce que ça va passer? Attention. Wow! On a réussi! Allez, une dernière fois. Pouh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ah, du coup, je ne sais absolument plus à combien de temps d'épisodes on en est. Je ne sais pas du tout, mais on va continuer un peu le donjon. Yes! Oh, je suis tellement heureux de... Ah, ça fait du bien. Je suis heureux de l'avoir sorti. Vous pouvez pas savoir. Bon, j'ai utilisé beaucoup de save state, c'est sûr, mais... Je suis content. Très, très content. Vive les tutos quand même, hein. C'est très pratique. C'est plus pratique qu'un simple texte, parce qu'avec le texte, j'avais juste rien compris. Bon, du coup... On arrive ici, alors les portes sont fermées sauf celle-là et celle-là nous appelle. Donc si elle nous appelle, eh ben on va les voir. Oula, j'ai cru que j'allais tomber, mais c'est bon. Alors vous, vous êtes électrifié, c'est bien. Vous remarquez à quel point je snob le donjon. Alors, ici, on va sortir notre... Ah bon? Ok. Oh, toi qui cherches le chemin des dieux, appelle-moi avec care, guide-moi vers l'endroit qui convient. Je t'ai appelé avec care. Oh, je suis tellement heureux d'avoir sorti. Yes, yes, yes. Voilà, maintenant tu viens et tu me suis. C'est un peu lent, cela dit. Non? Allez. Allez. Merci. Oh, c'était long. Oui, vous aurez compris que je suis très, très, très impatient. Ciao!
C'était tellement ridicule. Oh la vache, je les ai humiliés. C'est tout, y a rien à rajouter, je les ai juste humiliés. Oh les pauvres. Ils sont pris cher là. Alors c'est bien, on en a fait 1 sur 3. Ok. Ah! Ah, c'est là qu'on apprend la mélodie. Ok. Et donc, on a ici la mélodie. Oups. Oups. Oh, c'est pas celui-là. What? Ah, c'est celui de gauche. Ok. Down, down. Oh. C'est bien, ça fait exercice vocal. Vous avez appris l'air du marionnettiste. Et la porte se déverrouille. Déplace ton serviteur qui t'attend devant la porte. Place-moi à l'endroit qui convient et le chemin des dieux sera révélé. Ça marche. Donc on va continuer encore un peu pour cet épisode. La statue s'éteint, d'accord. On va continuer. Ah, ici, alors. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Quel dommage. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. Bon, pas grave, du coup. Oula, je me suis un peu loupé là. Allez, à l'attaque. Bingo! Par contre, je vais clairement manquer de magie. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Bref. J'ai envie de tenter. Mais avec la magie que j'ai. Non. Voilà. C'était le meilleur essai au monde. Merci, merci. Oh, bon. Dommage, hein, j'ai gaspillé ma magie. C'est ma faute. Je vais pas utiliser des saves à état, tout bout de champ non plus. C'est parce que je voulais montrer un truc que je n'avais jamais fait. Hein. C'était la première fois que je faisais ce truc. Il n'est pas trop dur, ça va. Salut. Alors. Toi. Comment on va te ramener? Déjà, tu es bien gentil, tu vas arrêter de me suivre. Voilà. Et ensuite, on va aller là. Et voilà, ça fait un pont. Oui, ben oui, ça fait un pont, d'accord, j'ai compris. Voilà. Du coup, on va prendre ça, on va faire notre air du marionnettiste. Voilà, l'air du marionnettiste. Down, down. Et on va pouvoir contrôler la statue. Allez, plus vite. T'es lent. T'es lent. Non. L-E-N-T. Bon, c'est bon. Ça va. Et donc, avec Link, voilà, on n'a plus de pont parce que nous, on n'a pas besoin de pont après tout. Hein. Et donc, petit grappin. Ah, fuck! Bon, bref. Il n'y avait personne, donc c'était un peu idiot. Alors, ici. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, ça ouvre la porte. C'est nickel. Du coup, on va utiliser ça. Non, celui-là. Ok, si tu veux. C'est pas grave, attends qu'on. Non, même pas vrai. Bon, bah, au revoir. Ah non. Je pensais qu'il allait cramer. Non, bah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Du coup, on va aller là. J'aimerais bien avoir un peu de magie quand même, parce que cette feuille Mojo est bien pratique, je dois avouer. Mais ça ne veut pas m'en donner, tant pis. Alors. Salle du mini-boss? Darknut. Et la musique épique recommence. Oui, bon, c'est bon, il n'y a personne là, pas la peine d'être vénère. Je suis prêt. Quand tu veux. Ok. Fallait peut-être que j'utilise la visée L pour pouvoir faire l'esquive. Voilà, donc vous voyez qu'il a son armure, faut la lui péter. Et maintenant, on peut l'attaquer autant qu'on veut. Donc les mini-boss, c'est plus des nouvelles ennemis que des vrais boss.
Et c'est plus des ennemis qu'on n'avait pas rencontrés avant, parce que celui-là, on va le rencontrer vraiment beaucoup dans le jeu. Zut, j'ai mal timé. Et c'est bon, c'est réglé. Et donc, c'est lui qui nous donne les blasons des pays. Ça, si vous n'avez pas remarqué, au niveau de sa ceinture. Enfin, non, justement, c'était un blason. Et dans ce coffre, il va y avoir de quoi débattre Cyclos. Donc, on se récupère un peu. Tout sauf de la magie, bien évidemment. Bon, normalement, on n'a pas besoin de magie, mais ça accélère, je trouve. Et on a... Tadam ! L'arc du héros. Appuyez sur le bouton auquel vous l'avez assigné. Visez, puis lâchez le bouton pour décocher une flèche. Votre carquois peut contenir jusqu'à 30 flèches. Et donc, vous l'aurez deviné. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir ramener notre... D'accord. Pour pouvoir ramener notre statue, on va... Un peu de mal à viser. Voilà. Ça vise assez vite quand même. Je trouve ça plutôt bénéfique. Alors juste, comment je vais arriver jusque là-bas? Bah, je pense que je vais devoir utiliser le grappin. Hein. Voilà. Non! Non! Je suis trop bas pour vous. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Je vais les décréter. Ma vie commence... Mais laisse-moi, voilà. Ma vie commence bien à descendre quand même. Ok. Je tape contre ça si tu veux. Voilà, moi j'ai le style. Je le fais en arrière sans rien voir. Ah, je suis un pro moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux pas me battre. Ok. Ok. Bon, ben, ouais. J'ai le sentiment de m'être fait arnaquer. Vous pouvez pas savoir à quel point. Du coup, on va régler ça un peu plus facilement. Voilà, comme ça. On peut attraper directement celui-là. Et avec ça, on va... Non, mais t'étais censé sauter, quoi! Héros de pacotille! Perd les flèches, c'est cool, mais c'est de la magie que je veux. Et je suis vraiment déçu de ne pas avoir parlé à Mémé dans ce genre de cas quand j'ai pas de magie. Magie, magie et vos idées ont du génie, bref. Du coup, quand tu veux, hein, Link. Voilà. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Est-ce que ça. Mais! Pourquoi? Pourquoi t'es parti en arrière là? Explique-moi, Link! Link, reprends-toi. Non, mais il n'est pas possible. Hein. Bon, alors. On va faire comme ça. Voilà, là c'est bon. On va pouvoir... Non, on va pas pouvoir. Du coup, ah ouais, la porte elle est redevenue fermée. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Deuxième épreuve, réussie. Avec la musique de combat qui s'est mise en route, je ne sais pas pourquoi. Allez, marche plus vite. Voilà. Et on nous ouvre une autre porte. Et bah tant mieux. On va essayer de retrouver un peu de... Ouais, de la magie, copain. Mais bon, je ne vais malheureusement pas m'en servir, car je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est déjà fait à ce stade, si vous êtes... Restez regarder la vidéo aussi longtemps. Enfin bref, en gros, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on finira la tour des dieux. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de combien de temps va durer cet épisode. J'espère avoir bien visé parce qu'avec le glitch que j'ai galéré, je ne sais pas du tout. J'ai en montage, mais enfin, normalement, vous aurez un truc d'une durée convenable. Hein, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, sur ce, c'était Jeu Pacor. Allez, ciao tout le monde!
Oui, c'est ça, l'imp fait, c'est peut-être ça.